Eh bien, salut à tous, c'est Marof et bienvenue pour un nouvel épisode de Borderlands. Alors, je m'excuse à l'avance puisque j'ai une méga crève. On est mi-septembre, j'ai l'impression qu'on est en hiver, j'ai froid, comme si on était en plein hiver. Donc je vais essayer de faire le mieux possible. Hop, voilà, pour le plaisir. Aujourd'hui, on va... j'hésite, hein, je suis très hésitant. J'hésite entre finir la mission Sledge ou les Arid Badlands. On va rester sur les petites missions annexes aujourd'hui. Ça va être un épisode un peu de mission annexe. Si vous avez besoin de moi. Alors, je fais un peu le tour de mon côté comme d'habitude, hein, de tout ce qui a récupéré dans le coin. Hop là. Bon, c'est pas la peine d'aller voir ici puisque de toute façon, y a rien ce qu'il propose à faire, là, c'est plus du tout à notre niveau. Hein. C'était bien au début, mais voilà. Ok, alors, eh bien, on va commencer par, tout bêtement, je l'avais dit, hein, le cercle de la mort, puisqu'il est en jeu d'enfant. Donc, on va refaire un round là-bas. On va prendre un véhicule et on va aller directement là-bas. On va se retrouver directement là-bas, d'ailleurs. Allez, à tout de suite. Eh, miracle. Miracle, miracle. J'apparais directement dans le véhicule. Allez comprendre. Oh, ça m'énerve, j'arrive pas à l'avoir, lui. Il est hors de question qu'on en reste là, lui et moi. Allez, clac, voilà. Donc je m'excuse à l'avance si vous m'entendez rifler. Hein. J'essaierai de toute façon de faire attention au niveau du montage. Ouh, on nous file quelque chose, là. Mais non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on nous file? Oh oui, non, c'est pas intéressant. Hop. Allez, on remonte. Allez, nous voilà. Oh là, oh là. Sur l'arène. Oh, il est gros, lui. Il est gros, il est gros. Tiens, les gars. Amusez-vous. Ah, ça a défoncé mon véhicule. Par contre, ça lui a pas fait la peau, lui. C'est quand même dommage. Bah écoutez, on est plus à ça près. Ah bah, c'est encore mieux. Attendez, hop là. Non, c'est pas ça que je veux. Il me reste quoi? Là, voilà, ça. XP, c'est tout. Bon, ok. Alors, on va préparer les armes pour ce nouveau round. On va prendre le lance-roquette que je vais mettre à la place du fusil à lunettes. On va prendre ça qu'on met, voilà. Là, on a un pompe. C'est ça. Et là, un pompe qui va pas nous servir puisqu'il est trop peu puissant. Ok. Allez. On va prendre voilà, un truc normal pour commencer. Ok, allez, on va lui parler à lui. Ouais, deuxième manche. Bah quoi. Donc vous voulez encore, hein. Ça va être plus costaud cette fois, un petit peu. Hein. D'accord. Bon. On a juste à y aller. D'accord, ah oui, oui, ok, bon. Allez, où est-ce que ça va arriver? Où est-ce que... Voilà, ici. Ok. Ah, on nous envoie du lourd. En tout cas, on nous en envoie un autre. Ah, c'est fini pour lui. Hop là. Encore un. Hop là. On s'éloigne. Est-ce qu'on a besoin de se soigner? Je pense pas. Tac. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ah, il est là, lui. Oula. Loupé. On s'écarte.
Voilà. On s'éloigne un peu, on se balade. Voilà, un de moins. Il reste plus que celui-là qui est là. Voilà. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Ça va, faut pas se plaindre. On va récupérer quoi? Mode grenade, d'accord. Ok, sinon, c'est tout? Ouais. Ah non, là, il me semble bien qu'il y avait d'autres petits trucs. Des sous et... et des sous, voilà. Ok. Allez, vas-y, paye. Hop là, pas mal. Pas aussi convaincant que moi à ma grande époque. Mais tout le monde n'a pas l'étoffe d'une vedette. Enfin, si vous êtes encore là, je vais devoir vous payer. Si vous êtes encore partant, vous savez où me trouver. On récupère quoi? Ouais, donc pareil. Un mode grenade pas intéressant. Et donc, on reviendra quand ce sera le bon moment pour finir cette quête. Alors, je sais pas, je crois qu'il oui, c'est ça, il doit y avoir que trois combats à faire, il me semble. Hein. Donc, voilà. Ok, allez, on repart. Parce que si, du coup, on va faire... trouver les composants du combat rifle. Est-ce qu'on le fait ça? Ouais. Allez, tiens. Donc, je travaille sur un combat rifle un peu spécial. Mais comme je veux pas que les bandits mettent la main sur mon prototype, j'ai éparpillé les composants. Si vous les trouvez tous, je pourrais remonter l'arme. Il va falloir trouver la culasse, la crosse, le viseur et le canon. Allez, on tente ça. On tente ça. Ça va nous permettre d'avoir une arme un peu spéciale et c'est pas du luxe. Par contre, j'ai plus de véhicule, moi, du coup. Mais bon, a priori, ça se trouve pas trop loin. 50 mètres, on va y aller à pied, hein, évidemment. Hein. Là, tant, y'a rien. Non. Allez. Ok, y en a déjà un morceau ici. Voilà. Hop, on a la crosse. Ok. Lui va venir vers nous, je pense. Non? Hop là. Ok. On a du monde à droite, hein. Oula! Allez, montre-toi. Allez, montre-toi. Voilà, tac. On doit en avoir un là-haut, je pense. Un ou deux qui sont là, qu'on pourra pas choper pour l'instant. Ah, il y a lui. Ok. Qui lui nous file d'ailleurs un petit truc, merci. Ok. Par là. Ouais, on a... Cool. La suite ici. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Très bien. Ça nous parle, mais... Ah oui, donc ça doit être là-haut alors, d'accord. Ok. Allez, tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des sous, merci. Allez, on monte. Mais j'approche, j'approche. Tu vas pas être déçu. Quand on te fera bouillir. Voilà. Pas simple, hein. Pardon, pas simple le... De tirer en pleine tête, ça bouge beaucoup comme vous avez pu constater. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Très bien. Waouh! Qui me tire dessus? Ah lui? D'accord. Non, j'ai pas peur, non. On ira par là après. On va monter ici d'abord. Allez. Est-ce qu'il y a un élément qui traîne ici? A priori. Non, par contre, ça c'est intéressant. Ouais. Ah si! Cool. Ah, ils en manquent plus qu'un seul. Je pense que ça doit être par là. Et qu'on peut se le faire d'ici, le mec d'ailleurs. Non. Allez, voyons ce qu'on nous propose. C'est à moi, rien qu'à moi. Ouais, bah cool. Tac. Ok.
Les modes concernent une seule classe de personnages dont ils affectent une large palette de caractéristiques. D'accord. Ok, voyons ça. Vous avez découvert un modificateur de classe. Ouais. Vous pouvez vous équiper de ces modes de classe, comme vous autres humains les appelez, afin de modifier vos compétences. D'accord. Voyons ça, alors. Ça doit être dans le matériel, j'imagine. Est-ce que ce serait ce truc-là ? Catalyseur de mode de classe. D'accord. Réduction du temps de latence équipe 1. Hein. Compétence Phoenix, Girl Power. Ah oui, d'accord, ok. Bon, alors, je sais pas trop ce que ça va nous apporter. Quoique Girl Power, ouais, on peut supposer que ça va nous apporter un bonus quelconque du fait d'être une femme. Allez. On va chercher le dernier. Pourquoi il le met par là, le jeu ? Non, c'est pas ici. Le dernier morceau, il nous manque quoi ? Il nous manque la culasse. Ok. Après, c'est pas sûr que ce soit très intéressant pour nous. Hein. On a déjà des armes sympas, donc... Il est un peu énervé quand même, lui. Hein. Alors, ah, il est là, d'accord. Foiré. Oula ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a explosé le mec. En tout cas, j'ai l'impression. Ok. Bah écoutez, vous savez quoi ? On va utiliser... Voilà, notre pouvoir pour... Il va y passer ! Voilà. On récupère un peu de vie. Ah, c'est peut-être là-bas aussi, sinon. Ok. Ah ben non, voilà, tout simplement, c'est ici. Clac, merci. Et nous avons l'arme, donc on va devoir retourner hein, au rapport pour pouvoir en bénéficier. Ok. Sinon, bah c'est toujours l'impression. On va un petit peu un peu plus loin pour voir s'il n'y a pas un autre, une autre malle rouge susceptible de nous filer. Ah bah non, d'accord, on arrive ici. Ok. Rappelez-vous, on était venu ici pour... On était venu ici pour faire, je sais plus quelle mission d'ailleurs. Oui, les ventilateurs, les éoliennes, non, c'est pas ça. Hop là, tac, on récupère tout ça. Ah, oula, qui es-tu? Ah ouais. Eh bien, ce petit pompe, hein. J'ai été longtemps à, avant de décider d'en avoir un, hein, de décider d'en avoir un, mais... Bon, allez, bah écoutez... Oh, ouais, oh, oh, encore un là, d'accord. J'ai un truc pour toi. Bah, moi aussi. Tu me laisses quelque chose ou pas du coup? Bah non. Bah non, bah non. Allez, on descend. Et on retourne à Firestorm. On se sentait seul par ici. Il est beau, pas vrai? Je préfère le voir là qu'entre les mains des bandits. Vous n'avez qu'à le garder. Un bon combat Freefall, ça peut toujours servir, non? Eh bien, oui, oui, sûrement. On va les vérifier quand même. S'il est plus intéressant, il fait combien, lui? 36 de dégâts pour 48. Oh, bon, non, non, il n'est pas intéressant. Même s'il a un zoom. Ouais, après, il est peut-être un peu plus rapide à, pour recharger, par contre. On va s'en débarrasser de suite. Là, bah, tiens, il y a un petit truc là. Pour t'en profiter. Et puis même là, non, même encore mieux ici. C'est vrai que il y a quelques fois un peu de sous. Et surtout, il y a des munes. Non, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Allez, prochain objectif. Ce va être le ventilo tiré sur les excréments de l'éolienne de Howling Defile. Ok. Toutes nos éoliennes fonctionnent sauf celle de Howling Defile. Je m'excuse pour la prononciation. Je ne sais pas pourquoi, mais les Rax se rassemblent toujours autour de celle-là. Et elle est couverte de leurs excréments. Les pales ne tournent même plus. J'offre une grosse récompense à quiconque ira là-bas me nettoyer tout ça. Ok. Eh ben, c'est parti, mon père. Allez, let's go. On va récupérer notre voiture et on y va. Et où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller là-bas, d'accord, ok. Oh, un petit peu de sous, j'ai l'impression. Non, non, ouais, voilà, c'est ça. Hop là. Allez. D'accord, donc on parle de cette grosse éolienne. Donc... Je pense qu'il va falloir... Voilà, c'est ça. Quoique, on va peut-être pouvoir commencer avec ça, ma foi. Voyons si on peut... Là, par exemple, lui, là-haut. Oui, c'est ça, on peut. Allez.
on va pas réussir, hein. Bon, j'aurais tenté. Bon, bah, je pense que c'est pas la peine. Bon. Je vais me galérer, c'est pas la peine. Alors que, avec juste... Avec ça, logiquement, ça devrait être bon. Voilà, vous voyez. Ouais, pop, 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 pop. Il en reste ou pas? J'ai l'impression que non. On va aller voir. Je recharge quand même dans le doute. Qu'est-ce qu'elle m'a refilé? Là, ok. Bon, rien de foufou. Un peu de mune, un peu d'argent. Ok, petite arme, mais pas hyper intéressante. Et voyons. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ah ah! Oula! Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Je m'attendais pas à tomber sur ça. Vous savez quoi? Ben, on va retourner chercher notre véhicule. Hein, et on va lui en mettre plein les dents avec notre canon. Autant pas se laisser embêter. Allez! Tac! Même si il va être. Voilà, hop. Il va pas être simple, hein, à mon avis. Bien que finalement. C'était pas très courageux, mais bon, c'était la meilleure méthode finalement, hein, pour être tranquille. C'est tout? Là, il y en a un là. Ok. Sinon. Lui, on s'en fout à la limite. Allez, on descend. On fait un peu le tour de ce qu'il y a à récupérer. Ah, cool ça. Hop. Et même si on s'en sert pas, on pourra le revendre à bon prix. Donc ça, c'est bien. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appuyer sur un bouton. Qu'est-ce qu'on doit... Ah non, d'accord. On va peut-être pas gaspiller nos munitions. On va prendre plutôt le petit flingue. Voilà. Et voilà, mission accomplie. On n'a plus qu'à retourner au rapport pour pour récupérer la récompense. Clac. Allez, c'est parti. On se retrouve là-bas. Ah bah écoutez, on n'a pas besoin d'aller très loin apparemment. Alors tant mieux, allez, on va lui faire un compte rendu de ce qu'on a fait. Voilà, grâce à vous les éoliennes de Holy Griffith de Phil tournent à nouveau, voilà, pour vous remercier. Ok, un point de compétence, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Ça c'est corps à corps, ok. Allez, je prends ça, ça régénère le bouclier quand on tue un ennemi, ça c'est cool. Donc autant en profiter. Voilà, on va se débarrasser de ce qu'on a à vendre. L'artefact, il propose quoi, lui? Oui, bon, ça, on l'a déjà, de toute façon. D'accord. Eh bien, regardons un petit peu ce qu'il y a encore à faire. Le sein de la mort. Non, donc, écoutez, vous savez quoi? Ça va être un tout petit épisode, mais c'est pas très grave. En plus, moi, je suis comme ça. Tombe bien, parce que je suis vraiment... j'ai dû faire violence, hein, pour, pour le tourner, tellement je suis dans le vague. Eh bien, du coup, on fera... La mission principale, bataille pour les Badlands, dans le prochain épisode. Voilà. Bon, en attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.